pas la première fois que l'on sacboute, que l'on tire de façon croisée sur des propositions qui puissent nous permettre de nous en sortir. Et puis après, on passe par réfraction et par la petite porte, dit, ben, il n'y avait pas raison de se fâcher, et puis, et si vous. Donc, ceux qui ont combattu les propositions, mais qu'ils fassent donc déposer d'autres propositions dans ce sens. Donc, nous avons pensé que c'était ça qui était bien pour le pays. C'est-on estimé qu'il y avait des arrière-pensées que s'il ne fallait pas le faire. Et là, maintenant, ben, le chef de l'État a tranché et nous sommes passés à autre chose. Mais certains reviennent nous voir pour dire, bon, au fait, vous aviez raison, on n'avait pas compris. Et je dis, mais d'abord deux choses. Ceux qui nous disent aujourd'hui, au fait, ils ont été timides à intervenir dans ce débat-là. Parce que chaque fois qu'il y a une proposition qui vient, la première question à se poser, c'est à qui ça profite? On ne pose pas la question, on dit, mais certainement, quand ils ont proposé cela, c'est qu'il y a des arrière-pensées. Tout le monde, donc, sacboute pour tirer sur ces... Et puis après, on passe derrière pour dire... Donc voilà de quoi j'ai parlé. Je n'ai pas dit que j'étais irrité parce que les gens n'ont pas compris. Que les gens n'ont pas compris, nous allons continuer à en parler. Mais les mêmes personnes, toutes les fois, ne peuvent pas venir dire « Bon, on s'est trompé, est-ce que vous ne pouvez pas réintroduire ?» Vous savez, le premier projet de révision de la Constitution du chef de l'État, quand il a dit que c'était du passé, vous avez vu les mêmes personnes venir monter au créneau dire « Mais au fait, le chef de l'État n'avait pas besoin de se fâcher. Il n'a qu'à l'introduire à nouveau, mais nous allons le faire. » Le chef de l'État, par rapport à un certain nombre d'institutions, a dit « Tel que c'est fait, ce n'est pas bon. » Après, voilà, donc, on ne peut pas, comme le Tipenti, au nord de notre pays, faire un pas en avant et trois en arrière. Non, on ne peut pas faire ça. Mais vous êtes toujours à chercher d'autres motivations. Mais pourquoi vous voulez chercher d'autres motivations au-delà de ce qu'a dit le chef de l'État? Le chef de l'État a dit des choses précises. En y accédant, parce que c'est une proposition de texte, hein, en y accédant, en filigrane, vous lisez très bien que le chef de l'État a espéré que parce qu'il n'y a pas de problème à polémique et que c'est des points d'accord et des points qui ne sauraient souffrir de polémique, il a espéré que par voie parlementaire, on puisse y accéder. Alors, nous-mêmes, c'est ce que nous avons voulu. Et c'est pourquoi, personnellement, moi, j'ai veillé à ce qu'en dehors des quatre points, qu'il n'y ait aucun point supplémentaire qui puisse prêter à polémique après. Moi, j'y ai veillé personnellement. J'ai rencontré des acteurs de la société civile qui m'ont dit, monsieur Aladati, on vous connaît, mais est-ce que vous êtes sûr qu'une fois en plénière, d'autres points ne vont pas s'inscrire? Je leur ai dit, non, il n'y aura pas d'autres points en dehors des quatre points. Alors, nous avons veillé à ce que les points ne soient que quatre, pas autre chose. Les mêmes qui nous ont dit, bon, on combattu. Là, maintenant, heureusement, on a eu le vote qui permet d'aller plus loin. Et le chef de l'État a évalué ce qui aurait pu se faire par voie parlementaire sans cet excès de coût pour le pays. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse? Il a dit, ce n'est pas urgent, quand on sera prêt, on va le faire. Donc, à la suite du chef de l'État, nous disons, ben, nous remarquons, alors que nous avons cru qu'on pouvait faire l'unanimité là-dessus, nous constatons malheureusement que ça ne fait pas le consensus, donc quand on sera prêt, on va le faire. Maintenant, ce n'est pas à nous, vous allez poser la question, c'est à ceux qui, après cela, le mot du chef de l'État, s'ils sont prêts, mais qu'ils réintroduisent dans les délais requis, la proposition, et nous allons aviser. Nous allons aviser. Vous comprenez? Et je ne crois pas que si les délais sont respectés, parce que ce qui est en jeu, c'est quoi? Ce qui est en jeu, au-delà de la peine de mort, de la Cour des comptes, qu'on a tout le temps pour faire, mais le regroupement des élections et la meilleure représentativité des femmes, ça ne peut pas beaucoup attendre. Puisque ça devrait agir sur le code électoral, parce que les élections, c'est pour bientôt. Et ses effets, c'est pour bientôt. Si on en attend, bon, on ne pourra plus rien. Voilà l'enjeu. Donc, nous, c'est passé. On a espéré qu'avec ces quatre points, on puisse avoir donc, l'adhésion de nos amis de l'opposition. Ils ont dit non.
Puisque c'est nous, il y a des idées derrière, donc on ne veut pas. Regardez, nous avons dit cela en espérant que politiquement, on puisse le régler au Parlement. On n'a pas pu, mais terminer. On n'a pas pu. Le chef de l'État a dit, bientôt nous irons législatives. Ce ne serait pas efficient. Vous savez, j'ai dit efficient. Ce n'est pas que ce n'est pas utile, mais ce n'est pas efficient. Quand vous voulez faire quelque chose, vous en appréciez le coût et vous comparez les deux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu obtenir la même chose autrement? Et vous mettez donc l'efficience en jeu. En termes d'efficience, ce n'est pas efficient d'aller au référendum tout de suite. Ouais, donc, et il a dit, quand on sera prêt, on va voir. Peut-être que vous pensez que, ben, passer cette fièvre, passer la rage, donc tout le monde est prêt aujourd'hui. Mais si tout le monde est prêt, ceux qui ont dit non, dites-leur de ramener la proposition, on va y aller. Nous sommes passés à autre chose. Mais le chef de l'État n'a pas dit non plus que ça ne peut pas revenir. Il a dit quand on sera prêt. Donc, moi, je dis à la suite du chef de l'État, quand nous serons prêts, mais ça va revenir. Pour une première fois, on a un chef d'État qui ose régler les problèmes qui fâchent. C'est cela. On a toujours perçu les problèmes qui se fâchent. C'est que personne n'a osé affronter les problèmes qui fâchent. Et nous avons, en démocratie, un chef d'État élu démocratiquement qui dit, j'accepte d'être impopulaire si la finalité, c'est d'inverser ce drame qui se joue à nos yeux. Et il fait le choix d'être impopulaire. Ce n'est pas donné. C'est normalement en dictature qu'on a ce genre donc, de courage. C'est les chefs de l'État qui viennent par coup d'État et choses qui le font pour un temps et s'effacent. Nous avons la chance qu'en démocratie, nous avons quelqu'un qui a la culture qu'il faut, qui a vraiment l'équilibre qu'il faut et qui a le courage qu'il faut et qui dit « je vais pour les choses les plus fortes, ça sera très bien pour nous, ça sera très bien pour la postérité. » Quand vous amenez votre habit chez le couturier, il y a la paire de ciseaux qui cisaille la toile. C'est douloureux, mais à la fin, vous avez un costume, un beau costume. Nous sommes à cette phase. Et là, maintenant, on a fini cette phase. Là, on est en train de faire le suffofilage. Vous avez bien vu qu'on est en train de faire le suffofilage. Bientôt, le beau costume pour le Bénin. C'est ce que je leur dis. On est obligé de le faire. Sinon, nous étions donc dans la dépression et la chute sera fatale pour tout le monde. Un courageux vient pour dire, je vous évite la dépression. Arc-bouté, nous allons démarrer le turbo. Naturellement, quand il va mettre la vitesse au fond, il va avoir des secousses. D'accord? Les secousses sont senties différemment selon la position, d'accord, de chacun. D'accord? Ça, je suis d'accord. Mais il y aura le turbo, il y aura des secousses et nous sommes dans la zone de turbulence. Le bout est proche et là-bas, au loin, je vois du clair. Le ciel est clair. Le ciel est clair, il est dégagé. Je dis au bout, le ciel est dégagé. Et je dis aux passagers, le ciel est dégagé. Bientôt l'atterrissage.